Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour du Hearthstone. On va jouer un druide, enfin une évolution de druide que j'avais fait il y a très longtemps. C'était le druide du culte, hein, si vous voulez voir sur la chaîne. C'est... Bon, il était relativement différent. Et ici, eh ben, on va justement jouer un nouveau druide du culte. Qui va, ma foi, j'ai presque envie de tout garder. Hein. C'est un peu greedy, mais on va quand même enlever un jongleur de couteau au cas où. Mais bon, avec la pièce, je peux mettre le jongleur de couteau, avec l'inner derrière, mettre l'avenir rubien. Ça ferait un départ assez explosif, ma foi. Et ce qui embêterait peut-être notre ami Rogue. Donc on va voir ce qu'on pioche. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de pas mal ici. Maintenant, je vais claquer 4 cartes de ma main au tour. Hein. Donc bon. Enfin bref, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. On va voir ce que je pioche. Alors je sais que c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Hein. C'est un va-tout, comme on dit. Mais en même temps, quand je suis contre un voleur, je préfère essayer d'aller vite aussi. Maintenant, il faudrait que je n'ai pas à jouer de cartes en fait pendant les deux prochains tours. De toute façon, je pourrais pas les jouer. Donc voilà. Donc on va bien voir ce que je pioche. Mais au moins, j'ai déjà mis une 0-2, enfin une 0-2 qui repop et une 3-2 qui va pouvoir lui taper dessus. Oh, un œuf de dragon. Bon, on va quand même le jouer parce que bah, ça fait un point de dégâts. Et que c'est toujours intéressant d'avoir des créatures qui repop. Donc ici, il peut absolument pas me faire de zone. Hein. Parce que s'il me fait un zone, déjà, ça me fait popper une 2-1. Et en plus, s'il me fait un zone un petit peu trop gros, ça va me faire popper une 4-4. Donc il peut strictement rien faire. Il est complètement prisonnier de tout ça. Je pourrais mettre mon autre jongleur de couteau. Oui... Ça peut même être drôle, donc je vais le faire. Hop, et je continue à lui taper dessus. Pourquoi je l'ai mis là d'ailleurs? C'est pour éviter qu'il y ait une trahison trop embêtante. Parce que là, la 0-2 elle peut pas trahir, celle-là elle peut pas trahir. Donc bon. Il a mis une 4-5, ok. Une enseignante pour. Oh. Un peu problématique tout ça. Si je fais un balayage, effectivement, je lui démonte la tête à ce truc-là. C'est pas vraiment pratique. Si je mettais une enseignante pourpre, ça ferait deux couteaux. Alors on va le jouer à la chance. Hein. 50-50. Ah, c'est loupé. Deux fois. Ok, donc je vais pas sacrifier deux créatures pour ça. Je continue à lui foncer dessus dans les dents. Hein. Je continue à lui foncer dessus dans les dents. De toute façon, il peut avoir que peur de toutes mes cartes. Donc, et il peut pas me faire deux zones. Donc voilà. Ça sert à rien que j'aille dedans parce que lui allait le faire. Là il manque juste un point de dégâts et je peux faire mon balayage dessus. Donc je pourrais faire mon balayage dessus mais je perdrais pas mal de choses. Ok. Là, j'ai toujours un beau board quand même. Ah, un maître de culte qui va pouvoir m'être utile dans quelques temps. Là il faudrait juste que j'ai un peu de chance et que le couteau tombe sur la 4-2. Mais bon, ah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc du coup, je peux même pas faire mon pouvoir pour aller la tuer. Tant pis, on va mettre elle à 1. C'est pas le plus grave. Remonte-toi, remonte un serviteur allié dans votre main. Je pourrais presque remonter... Ah ouais, on va le faire. Juste pour rigoler. Je remonte lui, ça manquerait un autre. Ça fait un couteau. Hop, là ça me fait un qui vaut 0, je la refais. Et je refais un petit couteau. Eh mine de rien, je fais pas mal de petits points de dégâts grâce à lui, quoi, grâce à sa carte remontoire. Mais bon. J'aurais pu aussi remonter ma 3-1 pour la soigner, etc. Mais je préfère y aller à fond ici tant que il peut pas tout me gérer. Et normalement j'aimerais bien. Enfin. Bon, là je sais pas exactement ce qu'il va faire, mais. Éventail de couteau, ok, il fait un gros massacre. C'est dommage que j'ai pas pu faire mon maître de culte avant. Hop. Mon maître de culte avant, simplement pour aller piocher, hein, parce que c'est vrai que je suis quand même dans la merde. Mais bon. Hein. Ok, inverseur, ok, si tu veux. J'ai quand même une 2-1. C'est vrai qu'il l'aurait fait avant, mais il n'aurait pas pris. Et j'ai encore, bon certes il a beaucoup plus de cartes en main que moi. Mais si j'arrive à tenir quelques tours, peut-être moyen de faire des choses. Ok, donc on est au tour 6. Ta-da-da. Ok,
Ok, bon, on va pas faire grand-chose ici. Hein. Bon, après, voilà, il faut... Ok, je suis un peu dans la merde. Hein. Mais faut pas oublier que j'ai toujours 31 PV, il est à 7, quoi. Je vous rappelle que le druide a une combo à 14 et que j'ai déjà une partie de la combo, quoi. Donc bon, j'aurais pu encore plus le descendre, hein, mais bon, je préfère poser du board. Toujours pareil, s'il me fait du zone, il y a une 4-4 qui peut repopper, il y a des 2-1-1 qui peuvent repopper, donc c'est toujours mieux pour la deuxième partie de la combo que je n'ai pas. Mais bon, pour le moment, on va bien voir comment il s'en sort. Alors, maître de culte, j'aimerais pouvoir le poser. Ouais, je vais le poser, mais le problème, c'est que ça fera rien derrière. Il faudrait que je pioche le plus de taunt. Ça serait l'idéal pour moi. Mais bon, ça, je ne l'aurai peut-être pas. Alors, que va-t-il faire? Le buffer, le remonter, le... Non, oui, peut-être. Oh, il est lent ce monsieur. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que je vais piocher, hein. 7, tour 7, je vais pas pouvoir faire grand-chose de toute manière. Je vais pouvoir aller piocher un petit peu quand même. Recrutement, ok. Si t'es un deck meule, tu devrais me faire piocher encore plus, mec, ça serait encore plus rigolo. Alors, 7 et 2, 9. Sauf que moi, mon combo fait 10. Ah, pas de chance. Donc, tant pis, on va. Ah, le problème c'est que j'irai piocher une carte, mais. Pff, non, c'est même pas intéressant. On va 8 taper dessus dans la tête, parce que c'est drôle. Et on va le laisser faire, hein, je. Va de limite, ça m'arrange si tu m'as un 2. Ça, parce que ça me ferait 2 tokens, par contre, après derrière, il faudrait pas qu'il me nettoie tout, quoi. Parce que j'aimerais bien au moins aller piocher 3 cartes avec ce maître de culte. Sachant qu'au prochain tour on a 8, donc je pourrais avoir 10, donc je pourrais déjà faire ma combo pour aller piocher 3 cartes. Donc, rien, pas de l'ombre, il va se soigner. 6, 7, il va le ressortir de suite, je suppose. Voilà. Tum-tum-tum. Qu'est-ce qui sort derrière? Petite attaque sournoise? Petite attaque sournoise. Très bien. Très, 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 très bien, tout ça. Par contre, ouais, non, non, ça c'était pas obligé, ça. Méchant, ouais. Enfin, bref. On va continuer. Enseignant pourpre. Ça me permettrait de faire quoi ça? Vu que de toute façon ma main va aller crever. Ouais, non, l'enseignant pourpre est pas utilisable ici. Par contre, je veux piocher des cartes à bloc. Donc on va piocher des cartes à bloc. Hein. Il n'y a pas moyen. Alors on va déjà aller sacrifier celle-ci. Voilà, un petit balayage, je vais aller sacrifier celle-ci. Ah, une racine vivante, bah, c'est ça le sort que je cherchais tout à l'heure. Et comme en plus ces deux créatures vont mourir, eh bah, je vais encore piocher deux cartes. Et mine de rien, pour deux cartes, je me suis refait 1, 2, 3, 4 cartes. C'est quand même pas mal. Bon petit combo. Bon, malheureusement, voilà, rugissement sauvage qui arrive maintenant. Peut-être un peu tard. Mon œuf qui tient toujours le coup, et la 4-2 qui va bien l'embêter. J'aime bien cette illustration. En plus, du maître de culte. Mais bon. Aura froid de lumière. Oh oui, fais-moi piocher, j'en demande pas moins. Donc, champion de Nexus Sarad, hein, pour aller avec l'enseignant de pourpre, bien sûr, vous aurez compris. Ça peut faire des trucs assez magistraux. Un pas de l'ombre, bah logique. Il va encore me faire piocher. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tu le refais encore une fois ou pas? Pour savoir. C'est vrai que je me suis pas mal meulé du coup. J'avais vu que c'était un deck meul, mais je pensais que j'aurais le temps de. Donc il va pas me tuer la 4-2, hein, logique. Ok, Seigneur de la mort. Ah, il me tue la... Ah, il me l'assomme la 4-2. Ok, 1, 2, 3. 4, 5, ouf, bref. Voilà, ma... Oh là 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 là, la chance qu'il a eu. Ok. Ok. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Tac. On va créer de la 1. Est-ce que je lui fais 2 points de dégâts ou est-ce que. J'invoque 2-1. Les 2-1 en même temps, je peux tellement faire carnage au prochain tour. Ouais, en même temps, ça va être embêtant si elle reste. Allez. Hop là.
Donc il lui reste 10 points de vie, mais bon. Voilà quoi, 3, 4, 5. 5 avec la croissance sauvage, avec... J'avais pas un silence quelque part, voilà là. Donc pour 7 points de mana déjà, je peux lui faire grandement mal. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je me demande. Ouais, moi aussi je me demande ce que tu vas faire, ce que tu veux faire. Ah, disparition, malheureusement j'en avais peur. Ok, donc là j'ai 10 cartes en main, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, effectivement. Donc je vais encore perdre une carte. Ok, ça c'est pas trop grave. Donc, le but va être de jouer un maximum de cartes. Hop, hop, hop. Je suis là pour apprendre. Peut-être en garder une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, en même temps. À moins qu'il ait notre disparition, ce qui m'embêterait vraiment très fort. On va dire que j'ai quand même réussi à faire un sacré board en un seul tour. Là, générer des cartes va me porter plus de problèmes qu'autre chose. Mais bon. On va bien voir comment il gère ma table. Donc il va peut-être remettre ça de 8. Mais je préfère à la limite qu'il remette ça de 8 plutôt qu'il me refasse, oui, qu'il me refasse une disparition. Je comprends pas pourquoi les gens préfèrent ce 3-5 pour 4 qui remet 4 PV à tous les héros plutôt que la 3-3 qui remet 3 points de PV, 3 PV quoi. Pour un PV en plus, elle coûte un moins cher. Enfin, surtout, elle donne pas de la vie à l'autre héros quoi. Bon, après, chacun ses idées. Hein. Oui, deuxième poison mortel. Ça sent le 10 points de dégâts dans ma face avec un gros balayage derrière. Oui, non, peut-être, tu dois te décider. Éviscération avant, ouais, c'est pas plus mal. Comme ça, la 4-4, tu vas la bousiller avec ton balayage aussi. Et comme ça, tu tues toutes mes créatures avec ton balayage. Ok. Et tu sais que j'ai plus en plus ma double combo. Puisque le rugissement sauvage n'est plus là. Ouais, il joue pas si mal que ça en face, faut pas croire. Ouais, de toute façon, moi il faut que j'enlève ce taunt et que je mette de la créature. Voilà, il va me faire piocher en théorie, en me tuant la 1-2 et en allant me piocher encore la 1. Je compte là-dessus honnêtement. On va bien voir. Pourquoi? Parce que 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, donc 8, 7 et 8, 15. Mais bon, on va voir comment ça se débrouille. Alors, notre cher Overyard. Très long à jouer. En même temps, je comprends le deck mal, bien que très puissant, est super, super long à jouer. Mais bon, là, je lui ai tendu un piège grossier, quoi. Si... Soit il me prend pour un noob et il a pas compris pourquoi je mettais maître de culte. Soit il pense vraiment qu'il va pouvoir gagner, donc peut-être en se roilant, ou peut-être en, je ne sais pas, en faisant une autre disparition. Ah, voilà la deuxième disparition. Ok. Et il remet ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon, et ben. Rebelote. Réduit au silence, parce que je veux pas avoir de taunt dans les pattes. On remet plein de créatures. Et on remet l'œuf nérubien ou pas? Ouais, oui, de toute façon, ça me fera des créatures qui repop au pire des cas. Après, il peut potentiellement me faire 20 points de dégâts à un tour, mais bon. Tant qu'il tente rien à rien. À un moment, il a que 3 cartes en main aussi. Il se soigne, créé par recrutement, ok, ça je m'en fous un peu, même s'il a 22 points de vie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Je pourrais faire 16 points de dégâts s'il me tue pas de créature.
Il vient de me rajouter 2 points de dégâts, ça fait 18. Ça fait 18, il vient de me les enlever, ça refait 16. Ou moins d'ailleurs, je ne sais plus. Bref, de toute façon. J'aurais. Il y a peu de chances que j'arrive à refaire beaucoup de gros boards, donc je vais être obligé de totifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il va me donner? Non, ça je m'en servirai pas. Donc on va buffer ça. Histoire d'avoir un peu de DPS. Ça 3-3, je m'en fous, mais un point. En même temps. Ouais, si. On va faire ça. On va faire ça. Et derrière, je le mets à 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 2, 4, 6, 8, 10. Je lui fais 22 points de dégâts au prochain tour. Donc il peut même enlever 8 points de dégâts de la table. Ça passerait quand même. Mais j'avoue que je m'attendais pas à avoir destruction élémentaire des buffs. M'emmènerait plus qu'autre chose en fait sur ce coup-là. Je me demande. Enfin bon, il me reste que 4 cartes, donc j'ai 3 tours, on va dire, 3-4 tours pour pouvoir le tuer. Ok, assommé, pas trop grave. Ok, 2, 4, 6, 8. 8 et 4, 12. 12, 12 et merde, bon. 2, 4, 6, 10, 11, 12. J'ai 12 points de dégâts, il me manque 3 points de dégâts. Il me manque 3 points de dégâts, il me manque 7 points de dégâts maintenant. Compliqué tout ça. Faire ça. On va rechoper un sort, une petite boule de feu, ce serait cool. Inflige 4 points de dégâts, coûte un cristal de mana pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Ouais. Pas très utile, mon grand. Donc on va remettre ça. On va. Est-ce que je fais 2 points de dégâts ou est-ce que je. Non, je vais mettre des 1. Je vais mettre des 1. 4 points de dégâts, le pire c'est que. Mais je peux le faire sur l'adversaire ça. Oh merde, j'avais pas vu que je pouvais le faire. Ouais, d'accord. Bon, on va le faire sur l'adversaire directement alors. J'avais pas vu. Mais ça aurait rien changé de toute façon. J'aurais pu faire 6 points de dégâts de plus, il a 8 donc il aurait été à 2. Hein. C'est pas non plus un gros problème. Enfin, en tout cas, on voit que le champion de Nexus Sarad arrive à me faire tenir en game. Hein. Bon, maintenant, le problème, c'est que j'ai plus que 3 cartes en main. Il me reste 2 tours, 2, 4 tours, on va dire, pour réussir à le tuer. Sachant que, au fur et à mesure, même s'il reprend des points de vie, mais au fur et à mesure, j'arrive à avoir plus ou moins une grosse armée. Hein. Il a plus de disparition. J'ai mon rugissement sauvage. Au pire des cas, il va me tuer 2 créatures. Voire une seule, parce qu'il va essayer de me tuer. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Il va me manquer 2 points de dégâts. Il va me manquer 5 points de dégâts. Il va me manquer encore des points de dégâts. Ah, punaise. Façon, j'ai pas trop de choix. Deux, quatre, cinq. Deux, quatre, six. Ça fait 11. Il resterait 4 points de vie. Et 4 points de vie, je lui ferai pas derrière. Est-ce que je prends le risque? Il va me démonter mon board de toute façon, donc. Ouais, allez, on va bien voir. Écoutez, de toute manière. S'il me démonte mon board, bah, je me débrouillerai derrière. Parce que mine de rien, il s'en est remis, il a des PV, hein, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Donc bon. On va bien voir comment ça se passe. Au pire des cas, s'il me tue mon board, je pourrai raser le board, moi aussi. Mais bon, il reste 9 cartes, il m'en reste que 2. Ce qui est problématique. Tellement d'options. Alors,
Vas-tu faire une maths de 4? Ok, tu vas piocher une carte. Tu vas mettre une 3-3 dedans, ce qui fait qu'elle sort à 3-1 et que moi j'aurai une 4-4. Et tu vas tuer la 4-4. Je présume. Aussi, ça marche. Sauf que si tu tues pas la 4-4, t'es mort. Donc tu vas être obligé de mettre tes deux créatures dedans. Ce qui m'arrange en fait. Embusqué, oui, bah c'est gentil, tu me redonnes des cartes. Bon, il y a de fortes chances qu'il pioche des 4-4 du coup, mais. Mais bon, voilà quoi. Ok. Bon, il me manque un point de dégâts. Il me manque un point de dégâts. Ah, ouais. Bon, il manque 2 points de dégâts du coup. Enfin, un point de dégâts quand même. Bon, avec ma chance, il va piocher une 4-4. Voilà, logique. Ah bah, carrément. Allez, ah, rugissement sauvage. Eh bah écoute mec, j'ai envie de te dire, ça a été sympa de jouer avec toi. Oh! Bon, j'allais le tuer et réduire sa table. C'est dommage. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Bon, enfin bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu comme partie, même si c'était un petit peu long. En tout cas, vous avez pu voir que ce token TGT était très solide. Il pouvait gérer énormément de choses. Après voilà, c'était un deck meul. Alors certains vont dire que c'est facile de tuer un deck meul, d'autres vont dire ah non, il s'est bien démerdé le druide. À vous de voir. En tout cas, ça aurait pu me coûter très très cher parce que moi effectivement j'ai de quoi piocher énormément dans ce deck. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le deck? Deux innervations, deux racines vivantes, deux œufs de dragon, deux marques du fauve, deux puissances du fauve, deux jongleurs de couteau, deux onérubiens, deux rampes enchantées, deux rugissements sauvages, âme de la forêt parce que ça peut être super pratique. D'ailleurs je l'ai pas vu dans cette partie, je crois. Balayage, deux enseignants de pourpre, deux gardiens du bosquet, deux maîtres du culte, un champion du Nexus Sarad et deux forces de la nature. Donc on peut voir que c'est un deck qui est relativement rapide, qui est centré sur le tour 2 et sur le tour 4, et que vous n'avez pas de créatures à 7 ou plus. Vous avez effectivement la double combo, puissance du fauve, force de la nature. Vous avez énormément de moyens de créer des petites créatures, que ce soit avec des racines vivantes, faire des petites 1-1, que ce soit en blessant les autres dragons. Que ce soit en les faisant popper avec les enseignants pourpres. Enfin bref, il y a plein de moyens de faire des tokens. Ces tokens, vous pouvez les suicider pour piocher avec le maître de culte, donc accélérer énormément votre deck pour avoir force de la nature et ce qui manque, c'est-à-dire peut-être une innervation et des rugissements ou une puissance du fauve. Et ou une puissance du fauve pour aller très très vite. Si vous commencez à avoir du board et vous craignez un flame strike ou autre au tour 6. 7 voire 8, enfin autour 6-7, et que vous avez 3-4 créatures, n'hésitez pas à mettre âme de la forêt, hein, ça vous mettra toujours des petites créatures 2-2, ça peut vraiment le faire. Vous avez plein de petits combos rigolos effectivement dans ce deck avec les forces de la nature et par exemple les maîtres du culte, c'est pour 10, vous allez piocher 3 cartes, mine de rien, et vous faites quand même 6 points de dégâts, donc ça peut vous permettre de vous relancer. Vous avez également au tour 8 un jongleur de couteau avec force de la nature, eh ben, on n'y pense pas souvent, mais ça peut faire quand même. 3 petits couteaux à 1, plus bah, les 6 points de dégâts de force de la nature. Donc mine de rien, ça peut faire jusqu'à 9 points de dégâts hein, s'il n'a pas de créature en face. Ça fait quand même un sacré burst au tour 8. En début de partie, ça peut être excellent d'avoir un œuf de dragon avec une marque du fauve. Même si vous avez l'innervation, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir au tour 1 une créature qui a donc plus 2, plus 2. Donc ça vous fait une 2-4 qui est taunt. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il va venir taper dedans, donc au minimum deux fois on va dire en début de partie, à moins qu'il se mange un silence, mais bon voilà, deux fois en début de partie, vous allez faire minimum entre 2 et 4, 2-1. Ça peut vous aider à tenir après, mais pendant pas mal de temps. Les racines vivantes, vous infligez les 2 points de dégâts où vous voulez, donc vous pouvez faire sur l'œuf de dragon d'ailleurs, ou vous pouvez les faire sur l'œuf de Nérubien, ou vous pouvez créer 2 tokens 1-1. Bref, vous allez pouvoir avoir très rapidement un board qui va être rempli de petites créatures 1-1. Et le but après, c'est effectivement de faire un rugissement sauvage et de faire un maximum de points de dégâts. Un petit peu comme pouvait l'être le chaman nué que j'avais créé. C'est le même principe, à part que le rugissement sauvage donne que plus de d'attaque. Mais par contre, le druide a beaucoup plus de solutions pour créer rapidement des créatures. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Vous pouvez également buffer si vous avez beaucoup de créatures avec puissance du fauve. J'ai déjà parlé de la sauvegarde entre guillemets du board avec âme de la forêt. Bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Il faut pas hésiter à faire les rugissements sauvages, du moins que vous avez 4 créatures. Faut pas hésiter à le faire parce que 4 créatures, mine de rien, ça vous fait 4 plus 1, 5. 5 fois 2, 10. Vous allez faire 10 points de dégâts parce que vous avez 4 créatures sur le board. Et 4 créatures sur le board, vous pouvez les avoir dès le tour 3-4. Vous pouvez les avoir.
si vous avez fait les racines vivantes, etc. etc. Donc voilà, c'est l'idée du deck, c'est très très rapide. Vous avez les enseignants de pourpre aussi pour créer des tokens. Donc vous ne serez jamais à court de petites créatures 1-1. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais c'est que des 1, elles meurent super facilement. Oui, mais vous pouvez tellement en créer, et tellement en créer rapidement, que votre adversaire généralement va être débordé à la fin. Maintenant, voilà, après à voir un petit peu comment ça sort. Ne pas oublier que le maître de culte pour piocher, bah, c'est super important. Et le champion de Nexus Sarad, c'est de la RNG, mais ça vous permet d'avoir des sorts. Et ces sorts après sont utilisables avec l'enseignant de pourpre. Donc ça fait quand même un cycle qui vous permet rien qu'avec votre pouvoir héroïque, finalement, d'avoir votre pouvoir héroïque, donc plus un attaque, plus un armure, pas dégueu, d'avoir un sort, aléatoire mais un sort. Et en plus de ça, si vous pouvez jouer ce sort et que vous avez l'enseignant de pourpre qui est sur table, vous allez créer une 1-1. Donc plus l'effet du sort, ça fait quand même 5 effets qui se coulent. Hein. Donc ça peut vraiment. Enfin, si vous êtes bien mis en place, vous êtes pratiquement indélogeable après. Et bon, c'est un deck vraiment très rapide, c'est pour ça que ça m'a étonné que la partie avec le Rogue 1000, enfin le Rogue Mull, ait duré aussi longtemps. Mais bon, voilà, après ça arrive aussi, vous avez pu voir que le deck a quand même bien tenu, malgré le deck en face qui n'a pas arrêté de se heal et qui était archi contrôle. Et si c'est un autre deck aggro, bah, l'avantage c'est que vous allez avoir autant de créatures que lui, voire plus. Bref, en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck sur Hearthstone. Ou pour une nouvelle decklist plutôt, pour une nouvelle partie sur Hearthstone, ou pour du Heroes of the Storm, ou pour d'autres jeux. Allez, bye bye, mes petits amis YouTube! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye!